Voilà, vienne à cheval. Mais ça s'appelle en termes mongols Morin Kul. Kul. Voilà. Et donc il l'utilise beaucoup, c'est joue à deux cordes et ça joue sur les côtés. Et c'est vraiment utilisé pour la transe et utilisé aussi pour les chants, je dirais, communs, les chants. Voilà. Mais je vais l'utiliser vraiment encore pour parler de cette tribu et de Satan. Je vais parler de cette chamane que j'ai rencontrée qui s'appelle Enketuya. Donc je vous demanderai juste un peu de silence pour ceux qui veulent parler à la rigueur, de partir un peu sur la gauche si vous voulez continuer vos conversations. Mais je vous demande juste un petit peu de silence pour cet instrument. Il vient des millions de kilomètres par là. S'il vous plaît. Si vous voulez continuer, il n'y a pas de problème, il y a un peu de place. Thank you.